Tu enregistres aussi. Bon, Yamina Benguégué, réalisatrice de film Mémoire d'émigrés, l'histoire de ce film et le but. Alors, c'est l'histoire de ce film et le but. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de faire un documentaire sur l'histoire de l'immigration maghrébine. Moi, encore une fois, je suis rentrée en contact avec la Cinémathèque algérienne il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans, tout simplement parce que mon père avait enlevé mes frères et sœurs. Encore une fois, c'est lié à mon histoire. Ça, c'est le quotidien et aussi une réalité que vivent les immigrés, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un divorce pour X raisons. Eh ben, les lois ne sont pas pareilles, rien n'est pareil. C'est des véritables tragédies. C'est d'un seul coup, le père se sent bafoué, et là je n'en veux même pas à mon père, mais il se sent bafoué dans tout ce qu'il est. Ce qui lui reste en tout cas de dignité, c'est qu'on donne les enfants à la mère. Donc mon père avait enlevé mes frères et sœurs, voilà. Bon, je me suis retrouvée ici et j'avais un point de chute, c'était la Cinémathèque. Et en même temps, je vivais ce drame et en même temps je démarrais dans le cinéma. Donc j'ai vu des Mirza Kahlaoui, j'ai Boudjé Makaré, je suis tombée dans une famille. Donc moi je suis très, très liée à... C'est à la fois une histoire personnelle et à la fois je me sens très très proche du cinéma. Puis je me sens très proche de ce que fait Boudjé Makaré, voilà.